Pov, le moniteur d'auto-école. Stéphane ? Ouais ? Tu m'expliques, c'est quoi ces conneries là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as dit j'allais faire mes heures de conduite dans un gros Merco. C'est quoi cette fanfaronnade là ? C'est un guet-apens. Il est en révision le Merco. Je devais changer le liquide vaisselle. Mais t'inquiète, ça c'est un vrai gamos hein. Mais je préfère prendre un tuk-tuk que monter là-dedans moi hein. Eh, si tu parles pas mieux de la Modus, ça va partir en couille hein. Déjà, tu me donnes un rendez-vous en fin d'après-midi sur un terrain vague. Je sais pas ce que t'as derrière la tête, mais j'ai un bon avocat moi hein. Bon, là, commence ou pas cette séance là ? Tu vas monter ? Attention Stéphane, je vais monter mais je suis pas ta chienne. Oh là, les suspensions, merde! Bah alors, on commence par quoi? On fait un go fast, on va à Marbella? Commence par allumer le contact si tu sais faire. Bah ouais, ça c'est facile ça, ouais. Ok, donc là on tient un guignol de complète. Le créneau, tu sais faire un créneau peut-être? Un créneau? Ouais, bien sûr, attends. C'est quoi, enfin, un créneau? C'est une marque de biscuits, non? Allez, je te mets une date d'examen en 2087. Tu vas le passer en EHPAD, ton permis, toi, t'es foutu. Ah ouais? Bah, tu sais quoi, j'ai pété 4 fois dans ta Modus. Y'a plus aucun client qui va oser mettre les pieds là-dedans. Allez hop, ciao ciao, Stéphane. Tocard. Eh ouais, The B. Patrick? Me dis pas, t'es aux toilettes. Non, non, je suis à Marrakech, là, pourquoi? Tu te fous de ma gueule, là? Bah ouais, je suis aux toilettes. Je suis un humain comme tout le monde. Écoute-moi bien, Patrick. Quand t'as mis les pieds chez moi, je t'ai fait signer un règlement intérieur qui stipulait noir sur blanc de pas utiliser mes toilettes. Et qu'est-ce que je suis censé faire, alors? Je fais dans un pot et je jette par la fenêtre, comme Vercingétorix. J'en sais rien, mais tu sors. Je peux pas, là, je suis en train de jouer avec Yomiya. Pardon? Mais t'as vrillé, Patrick? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Bah non. Yomiya, c'est mon héros dans Genshin Impact. C'est quoi, ça? C'est un jeu de fou, là. Je m'y suis mis il y a pas longtemps. Tu fais des batailles avec ton héros et t'évolues dans un univers. La map, elle est plus grande que certaines villes en Meurthe-et-Moselle. Je pète un plomb. Ça a l'air super, tout ça. Mais si tu pouvais jouer autre part que sur mon trône, ce serait cool de ta part. Ouais, t'inquiète. De toute façon, faut que je me trouve un petit cosplay. Il y a un événement Genshin Impact à Paris, là, le 1 et 2 juillet. Ah ouais? Et tu vas faire quoi, là-bas? Il y aura des quiz sur le jeu, un orchestre. Tu pourras jouer avec des gens sur place, avec Yomiya aussi, ça va être la frappe. Hein. Et si tu veux réserver, y a pas plus simple, j'ai mis un lien dans ma bio, voilà. Pof, le nutritionniste. Alors, je vais pas vous demander ce qui vous emmène parce que ça me paraît évident. Comment ça? Bon bah allez-y, dites-moi qu'est-ce que vous faites là? Alors, je sais que c'est difficile à croire mais j'ai besoin de maigrir. C'est tout sauf difficile à croire. J'avais déjà deviné quand j'ai entendu les secousses sismiques quand t'es arrivé dans le bâtiment. J'ai pas compris, moi je suis taille fine. Je fais 70 kilos max. Oui, c'est ça, oui. 70 x 7 peut-être à la limite. Eh oh, du calme docteur House là. Je vous paye pas pour me faire terminer. Hein. Bon, on va faire un état des lieux de votre alimentation. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Chicken spot. J'ai pris 3 menus T-Max, un Zlatana et 32 mozzastiques. Ah, écoute-moi bien, le frigo américain sur pâte, là. Si tu veux pas que je te chope par le callback, tu vas manger des choux de Bruxelles matin, midi, soir, maintenant. Et j'ai le droit à des cheat meals? Mais tu vois pas que tu fais le poids d'une Fiat 500? Faut oublier tout ça. On n'est pas chez Nasdas, là. C'est pas la chienneté, ici. Tu penses qu'en 2 semaines, j'aurai le summer body ou pas? Mais fallait s'y prendre en 2004 si tu voulais le summer body dans 2 semaines. C'est bizarre parce que j'ai commencé la muscu, là. Je fais des squats à Basic Fit. J'ai le boule à Kimka. Ouais, enfin, j'ai plus l'impression de parler à un colis stratégique qu'à Kimka, là. Hein. Bonjour! Bonjour, Willkommen, comment je peux vous aider? J'ai acheté une table plic-à-plouc, là, il y a 2 jours, et j'ai un gros problème. Des gens ont dit plec-à-ploc. Tu veux pas que je pète un câble? Bon, c'est quoi le souci? Le souci, c'est que j'ai ouvert la notice. Il y a marqué qu'il faut un bac plus 7 en maçonnerie et prévoir 3 semaines de vacances si je veux la monter, cette putain de table. Mais c'est normal, monsieur, on n'est pas sur Minecraft, il n'y a pas les tables de craft, hein. Est-ce que j'ai la gueule à Inspecteur Gadget, moi? J'ai acheté une table, hein, pas une Tesla en kit. Ouais, non, c'est vrai, toi t'as plutôt la tête à Marc-Henri, t'es pas fâché avec le quick. Au pire, t'appelles un bricoleur, il va te la monter ta plaque-proc. J'ai appelé mon tonton Didier, il a un CDD à Brico-Dépôt, il a failli faire une syncope devant la notice. Bon écoute, je vois que t'as un bout de force, je te propose d'aller faire un tour à la cantine, il y a des super boulettes, tu vas voir. Je m'en fous des boulettes, toi tu vas vite me rembourser ma table. Et je veux 20 balles de dommages et intérêts, parce que j'ai loupé in the boîte hier soir à cause de ça. Oui, bien sûr, et qu'est-ce que tu veux de plus? Que je te fasse un zouk? Et tu ressembles à Gilles Verdez. Moi je préfère 1000 fois monter ma table que de te regarder zouker. J'ai été élu Mister Zouk 2007 au camping d'Arcachon. Vas-y, fais voir. Ok, ouais, super jeu de jambes, joli coup de bassin. J'ai l'impression d'être devant Mylène Farmer, bravo. Prochain candidat, s'il vous plaît. Bonsoir. Pourquoi tu dis bonsoir? Il est 9h du mat. Allez, ça démarre sur les chapeaux de roue. Excuse-moi, pourquoi tu viens en claquette à l'oral du bac? T'es fou ou quoi? J'ai pas envie de voir ton gros orteil qui ressemble à John Cena. Ah, c'est parce que j'ai un vol pour Punta Cana dans 3 heures, là. Ouais, ben toi, je vais pas te louper. Tu vas aller passer à Paris-Plage tes vacances, toi, tu vas voir. Bon, allez, commence les questions, ta grande-tante, là. Alors, première question. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de la puissance économique du Liechtenstein? Oui, bien sûr, c'est un fruit en forme de rond. Il est super rafraîchissant.
rafraîchissant pour l'été, on peut faire des super cocktails avec. C'est le litchi, ça, merde! Mais c'est qui ce mec là? C'est toi qui me l'a ramené, Stéphane? Non, parce qu'on va se la foutre, lui et moi, là, si ça continue. Oui, ben litchi, louchtachtine, c'est pareil, c'est un diminutif. Bon, deuxième question. Combien de temps a duré le règne du roi soleil? Bah, le soleil va encore durer longtemps, hein, parce que c'est super important pour tout ce qui est chaleur, luminosité et tutti quanti. Non, mais toi, t'as le QI d'un mollusque, toi, c'est pas possible, on peut plus rien faire pour toi. Bon, j'ai rien dit depuis le début, mais tu ressembles à Gargamel. Avec ton gros pif, là, il fait Paris-Marbella. Bon, allez, t'as pas ton bac. De toute façon, t'as révisé sur Adibou, on peut plus rien faire pour toi. Pauvre, les résultats du bac. Alors les résultats, ça arrive ou pas? C'est là, dans 2 minutes. Mais t'inquiète pas maman, j'ai tout déchiré, je vais la voir. Hein. Mais t'as intérêt ouais, sinon c'est moi, je vais te déchirer. Ah voilà, c'est bon, il y a les résultats. Alors? Mais ça fait 40 minutes, tu scrolles là, qu'est-ce que tu fous? Il n'y a pas mon nom là, je comprends pas, c'est quoi ce bin ça? Oh, fan des popines, qu'est-ce qui m'a foutu un guignol pareil? Je vais péter les plombs, hein, t'es au courant de ça? Non, mais c'est un bug maman, je pense, t'inquiète. Hein. Parce que quand je suis sorti de la salle, l'examinateur il m'a dit Psartec. Non, mais toi t'as le QI de requin dans foot de rue. Va falloir aller consulter un spécialiste. J'ai tout révisé, les triangles parallépipèdes, la mort de Louis IV. Allez! Moi, je t'envoie au fin fond de l'Alaska. J'espère que tu vas tomber sur 3 grizzlies bien affamés. J'en ai plus rien à foutre. Ah, c'est bon, je me suis trouvé. Et du coup? J'ai 4. Mais comment tu peux avoir 4 au bac? Je sais pas, moi, t'as chié sur tes copies. Après, t'inquiète pas, maman. Maintenant, y a plus besoin d'avoir le bac pour faire du fric. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Et salut à tous, c'est Hector Food Challenge. Aujourd'hui, on va s'enculer 43 gigas tacos en 20 minutes. Pauvre, quand ta mère t'achète un truc. Tanguy? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai rien à foutre, je réponds pas. Ouais, maman, y a quoi? Regarde ce que je t'ai acheté, là, c'est le pull que tu voulais, ce Stone Island. Mais non, ça tue. Va l'essayer, là, que j'envoie une photo à Tata Zaza. Ok, tu peux me dire merci, au moins. Ouais, on fait tout dans cette maison, on n'est même pas remercié. Maman, y a un souci, là. C'est quoi ce bordel, là? C'est du 14 ans. Mais non, ça te va super bien, qu'est-ce que tu racontes? Je sens plus mon bras, là, il est en train de me faire une prise de soumission, ton pull, c'est Cyril Gann. Mais c'est normal, mon chéri, t'as le corps à Lukaku s'il avait pas percé. À un moment donné, faut pas s'étonner, hein. Moi, je le vois disparaître à vue d'œil, le tiramisu dans le frigo. En plus, c'est un faux, ton truc, y a pas marqué Stone Island, y a marqué l'île de pierre. C'est 100% authentique, je l'ai acheté à Clignancourt, là, pour 15,50€. Le mec, il m'a même donné son Snap, c'est le sapeur fou du 75. Mais tu sais même pas c'est quoi, Snap? T'as un qui a 3310, tu joues encore à Snake en 2023? Bien sûr que si, je sais c'est quoi Snap. D'ailleurs, tu vas vite l'ajouter. Il m'a dit qu'il vendait des puffs aussi, goût Pump It Up on the Beach. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est des bubble tea. Ouais, ouais, t'as raison, ouais, son Snap c'est Starbucks. On peut lui commander un refresha aussi tant que tu y es. Vamos a la playa! Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Il me faudrait une chambre pour 4 nuits, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, je vais regarder ce qui me reste. Vous avez une piscine dans l'hôtel? On a un pédiluve dans la cour, là, si tu veux faire trempette. Ah, ok, super. Ça vous fera 1 500€, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, là? On est au fin fond du Vercors. Je me suis fait traquer par 47 moutons en arrivant. On est un établissement de haut standing ici, monsieur. D'ailleurs, faudra mettre une cravate la prochaine fois que tu veux me parler. Ça y est, t'as mis 4 trocopoc, là, de chez Ikea. Tu te crois au Georges V? T'as la carrure à triple H. J'ai dû mettre un lit en carbone pour supporter la charge. C'est pour ça que tu payes cher. Mais non, t'inquiète, te casse pas la tête, hein. Tu mets un petit hamac dans le jardin. Moi, je suis pas difficile, hein. Je suis un explorateur. Oui, d'accord. Et je l'attache à quoi, le hamac? T'es capable de me déraciner 3 séquoias à toi tout seul? Bon, écoute-moi bien, là, j'ai une tourista pas possible. Ça fait 48 heures, je bouffe du fromage de chèvre. Donc tu vas vite me passer une chambre à 50 balles si tu veux pas que je dépose le bilan à la réception, là. Allô, Jackie? Ouais, tu peux me dégager le mec avec sa chemise des Village People, là? Il commence à faire du grabuge. Oh là là, il y a René la taupe qui fait son comeback. Ouais, c'est parti. Pauvre, la conseillère bon, d'orientation. C'est qui le suivant? C'est Nicolux. Ah ouais, le... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien l'appeler Big Ali. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Vas-y, fais-le entrer. Salut! C'est bien ici, la course d'orientation? Allez, ça commence super bien. Pourquoi j'ai pas fait caissière, moi, comme tout le monde? Je vends des Kinder, des bananes, c'est super comme taf. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Bon, assis-toi. On n'a pas toute la sainte journée, là. Miskine, la chaise a fait du développé couché. J'ai pas compris. Bon alors, Nicolux, tu veux faire quoi plus tard? Je me vois bien un footballeur professionnel comme CR7. Quoi? Tu veux pas faire du ping-pong plutôt? Je suis super fort sur FIFA. J'ai fait du 10-10 ce week-end en Futchamp. C'est claqué. T'as même pas le niveau pour être dans l'équipe 7 de Montargis. Faut croire en ses rêves. Ouais, mais toi tu crois aussi beaucoup à Quick. C'est ça le souci dans l'histoire. Un jour j'ai vu Samir Nasri. Il m'a dit force à toi dans tes projets. Juste après j'ai fait les ligaments croisés. J'ai pas compris pourquoi. Allez, je te mets au lycée agricole. Tu vas finir paysan comme tout le monde. Oula, j'ai l'impression qu'on s'est mal compris. Moi je veux faire la Ligue des Champions. Je veux pas ramasser des champignons. C'est pas pareil. Suivant.
Donnez-lui des Skittles à Nicolux, là, il sera content. Pov, le serveur. Et donc là, je vais voir Bilal, il commence à me dire « Ouais, René la taupe, il couche Crazy Frog ». Mais il est fou, ce mec. Excusez-moi, j'ai un Despacito et un Fuck You Very Much. Alors, il y a quiproquo, là. Moi, j'ai commandé un Vamos a la Playa sans sucre. Ah, c'est pas ce que j'ai sur le ticket, monsieur. C'est pas ma faute si ton ticket, il dit des conneries. Eh, comment il parle, Pierre Ménès, là? C'est Paris Plage, ici. Il commence pas à faire le lascar, hein. Eh, gros, j'ai fait 6 mois de boxe thaï. Je devais être le petit dans Karate Kid, mais j'avais déjà 45 ans, ça s'est mal goupillé. T'es allergique au gluten et t'écoutes du Doja Cat tous les soirs sous ta couette. Oh, putain, Flavie. Mais lui, la pire note sur TripAdvisor. Comment il parle de Doja Cat? Non, mais là, je suis en plein streaming sur le net. Les internautes, ils sont fous de rage. Mettez un maximum de likes, la team. À 500 likes, ça part en couille. Il est fou, Gilles Verdez, là. Tu t'es pris pour CNews? T'es pas envoyé spécial, gros bouffon. On n'est pas là pour rigoler, moi, je te le dis. Un jour, j'ai payé un 10 balles, 5 balles, tellement j'ai une tête de voyou. Il m'a dit, bien vu, Jacques Mesrine. Bon, ok, c'est bon, je vous emmène le Vamos à la Playa. Voilà, la team, c'est comme ça qu'on procède dans le 16ème. N'oubliez surtout pas, à 700 likes, on commande des mozzastiques. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? De base, je suis animateur de colo, moi j'ai été formé pour faire des cache-cache. Pauvre, quand ils vont chez Cash Express. Bonjour, je viens vous vendre 2-3 trucs. Ouais, on va regarder ça. Alors, il y a tout ça et un MacBook, il est tout neuf. Alors, attendez, je regarde tout ça. Je prépare une rando au Machu Picchu, là. C'est pour ça, j'ai besoin de thunes. Après, s'il me reste un peu, je pars à Phuket. Découvrir un peu les spécialités locales. 15 balles. Ouais. Allez, je suis un chic type, 15,50€, dernier prix. Donc là, t'es en train de m'échanger mon MacBook contre un Blablacar pour Dunkerque. Tu veux, je te rajoute des claquettes, tu vas piquer une tête à Paris-Plage et t'arrêtes de nous faire chier. T'es le vendeur le plus nul de France. Ils t'ont recruté chez les alcooliques anonymes, toi, c'est sûr. Hein. Oui, enfin, ça fait 47 ans, tu cherches du taf. Va falloir se poser les bonnes questions. Et si je rajoute mon cul? Mais je mets pas un copec pour ton cul, toi, t'es fou ou quoi? C'est toi, tu me dois des thunes. Ouais, bah, tu sais quoi, j'espère que tu fais un aquaplaning dans ta Clio 4. C'est tout ce que tu mérites. Et là, tu m'apportes 3 free guns. Et un Jungle Speed, tu crois que tu vas faire fortune? C'est une édition limitée. Il y a Michael Jackson, il a fait hi-hi dessus. Sécurité! Vous m'embarquez le Golgot là et vous l'emmenez bouffer des cheese nabs. Ça va lui rappeler Phuket. Écoute-moi, j'ai 400 heures de jeu sur Clash of Clans. J'ai un background. Donc c'est pas tes géants qui me font peur, moi je suis un tracteur. Ouais, donc comme je te disais, un jour je suis allé au Quick et moi je voulais un couscous. Le mec il me dit, je suis désolé, on fait pas de couscous. Ben t'inquiète pas que quand j'ai sorti la mallette de 50 000 balles, il a fait mon couscous merguez. Oh putain, t'es là toi? Enchanté, moi c'est Francis. Je suis évadé fiscal depuis 2007. Mon pire ennemi c'est le fisc. Un jour j'ai fait une déclaration à l'URSSAF, je suis tombé dans les pommes. Aujourd'hui c'est le week-end, voilà, j'ai décidé de sortir le Clash Gébrabus ABT qui consomme 28 litres au 100 et qui fait un maximum de trous dans la couche d'ozone. Je suis pété thune. Comme tu peux voir, c'est bien ma bagnole, c'est pas une location. Et la preuve, elle est juste là. Hop là, allez reviens là, reviens là. Bon, si tu veux comme moi un terrain de golf et une piscine à débordement dans ton jardin à Dubaï, je suis là pour te donner des conseils. La piscine, elle déborde que quand t'es dedans. C'est pas normal, y'a quiproquo là. Hein? Je suis pété de thunes, moi je te vire quand je veux. T'as retourné bouffer des pois chiches avec les pecnos, moi je te le dis. Hein. T'es pas riche, tu mets les yaourts en rayon à Super U. On est à Rouen là. Il fait 16 degrés en août et y'a une tornade en cours. Hein? C'est quoi ça? C'est des Skittles peut-être. Moi j'ai un brushing Fabio Salsa, toi tu ressembles à Samy dans Scooby-Doo. Mais y'a 30 euros là, c'est même pas les tiens. C'est ta daronne, elle t'a dit de ramener du poulet rôti en rentrant. Oh putain, il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. Allez, séduis la caméra, fais le tombeur. Je suis mignon là ou pas? Imagine la caméra, c'est Scarlett Johansson qui veut de galoche. Oh là, qu'est-ce que j'ai entendu là? Je t'ai dit de me séduire, ta grand-mère. Pas de me chier à la gueule. C'est le chili con carne de ce midi, la chef. J'ai l'impression qu'il y a Undertaker qui fait des prises de catch dans mon bide. Mais tu peux pas t'empêcher de bouffer. Déjà, je suis obligé de te prendre en paysage parce que sinon ton corps il rentre pas dans l'image. Ma tata, c'est Joséphine Ange Gardien. Elle a juste à claquer les doigts et tu te transformes en canette de 7-Up. Ah ouais? Sans déconner. Et sinon, Schweppes, y'a pas moyen, Schweppes. Oui. Ouais, tata, t'as appris le sort pour transformer les gens en Schweppes? Mais si, rappelle-toi, je t'avais envoyé le tuto là. Ouais, apparemment c'est chaud, poto. Ouais, ben va te faire reculer, Joséphine. Toi et ton cousin, là, avec sa tête de sardine. J'ai failli devenir myope tellement il est vilain. Eh, putain, tata, t'as fait quoi, là? C'est devenu une briquette de chocolat? Eh ouais, il fait le mac aussi, ce bâtard. Tata, tu remets vite Stéphane à sa place. Après, il va faire une story snap avec son corps de brique, là. Ça va faire le bad buzz sur la toile. Je te mens pas, ça m'arrange pas trop. Moi, j'ai rafting à 17h. Ouais, 2 minutes, Stéphane, je t'arrange le coup, t'inquiète pas pour ça. Ouais, ben 2 minutes. Moi, ça fait longtemps que j'ai allumé la clope, hein. Merde! Bon alors, vous notez bien sur vos cahiers que Christophe Colomb est le premier homme à avoir découvert Tupac. Oh, oh là, qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait une Clio 4 en fond de 5e sur l'autoroute. Oh, Félix, ouais. Toi,
putain, c'est quoi ce boucan là? Je me fais perquise. Je suis en train d'étudier là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ronfle comme ça là? T'as un grizzly chez toi? T'es un showcase de Yannick Noah? Moi je sais pas. Hein. Alors là, y a personne qui ronfle. Hein. Moi je suis à 100% à l'écoute. Hein. Y a pas de galère. Ok, bah si tu dormais pas, tu peux facilement me citer la planète la plus proche du système solaire. Movistar Planet? Je vais péter les plombs. Tu sais que c'est un nom de clébard, Félix, à la base. Hein. Je comprends pourquoi ton daron il t'a appelé comme ça. Ouais, bah tu crois que c'est mieux, Madame Costa? T'es là, t'as le nom d'une croisière. Alors que le max où t'es allé, c'est Rungis pour acheter des merguez. Ton stage de troisième, tu l'as fait au grec de ton tonton. T'es ressorti, t'étais un pneu Michelin. T'as plus bouffé que vendu de kebab. C'est pas normal. Ouais, bah si vous êtes si intelligente, madame, comment on appelle les habitants du Québec? Bah les Québécois. Quoi coubé? Voilà. Non mais pour qui elle se prend celle-là là? Va écouter Chérie FM, la vieille. Bonjour. Bonjour. Alors je viens vous voir parce que hier j'étais au resto à volonté, à un client court. J'en ai rien à foutre. Ouais, bon, bah j'ai le bide en feu, voilà. Mon transit, c'est un tout à l'égout. J'ai passé ma nuit aux chiottes en train de chialer. Ok, ouais, je vois tout à fait. On est plutôt sur un phénomène de type explosif ou marécageux? Non, là, c'est explosif, la chef. J'ai des bisons 4 dans le fion. Je suis en train de péter les plombs. Même le tagine au pruneau de ma daronne, il fait moins de dégâts. Stéphanie! Hey, tu me ramènes les médocs pour le caca, s'il te plaît? Excuse-moi, tu veux que j'appelle BFM, qu'il fasse un flash info service sur l'état de mon calbar? Pourquoi tu cries? Mais qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta tête de mouette? Tu vas pas m'apprendre à faire mon taf, hein? Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais du secret d'Hippocrate? Allez, ça y est, t'as vu 4 épisodes de Grey's Anatomy, tu me fais chirurgien. En attendant, c'est pas moi qui se la fout tous les samedis soirs chez Chicken Spot. Bon, écoute-moi bien, là, je suis à 2 doigts de péter. Et je suis pas en mesure de retenir toutes les conséquences. Donc tu vas vite me passer mes médocs. Ok, mais fais la mouette vite fait. Oh, mais t'as complètement pété les plombs. Tu te mets des doses de Doliprane dans le pif, toi, c'est sûr et certain. Fais la mouette. Ça fera 40 balles. Pauvre l'autostoppeur. Il est libre, Max. C'est qui ce punk à chien encore, là? S'il vous plaît. Salut, jeune, qu'est-ce que tu fais? Un road trip? T'es routard? Ah non, pas du tout, moi je vais à Quick. Ah ok, putain. Bah en tout cas, force à toi dans tes projets. Je sais pas comment tu comptes faire, c'est chaud patate. C'est à 2 km au moins. Des crevards, j'en ai rencontré dans ma carrière de clochard. Mais toi, t'es un vrai steak. Écoute-moi bien, Big Mac. J'ai fait le contrôle technique de la bagnole il y a 2 jours. J'ai pas envie de me faire niquer mes amortisseurs par un babos sorti du cirque, là. Mais c'est une épave, ta caisse, elle roule au Pepsi Max. Le garagiste, il a failli te foutre un procès au cul pour atteinte à l'intégrité physique. Putain, tu débites pour un craqué de la chapelle. Tu vas y aller à d'autres clébards à ton Quick. J'en ai rien à secouer. Elle a connu Cléopâtre et Vercingétorix, ta caisse. Elle sent aussi fort que mon prof de techno. Tu peux pas mettre du brut? C'est normal, mec, je sais pas, t'as une caisse qui pue. Et sinon, à part jongler au feu rouge et tanquiller des 8-6 devant la gare, qu'est-ce que tu sais faire? T'as les chicots à Jacouille la fripouille et tu me fais le videur de boîte, là. T'as bien envoyé celle-là, tu m'as cloué le bec. Vas-y, monte dans la caisse, on y va, c'est parti. Ah non, finalement, moi ça va, je vais passer mon tour. J'ai peur de faire une syncope. Allez, fais pas la gueule, j'ai moins 50% chez Desigual, je te les passe tout de suite. Pauvre le livreur Amazon. Elle est trop soulec, la gâchie, elle est trop flax. Monsieur Pignouf, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est Greg. Greg ou pas, t'as une tête de chien. J'ai un colis pour vous. Ouais. Ça a l'air pas mal, ça, c'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Tu bosses pour NCIS? C'est une pipao, c'est ça? Non, mais j'avais remarqué, t'as une tête de racaille, toi. Bon, tu commences à me faire chier, la boulette de kefta sur pâte, là. Félix? Allez, attaque. Attaque le gros monsieur là qui ressemble à Big Ali. Toi, je suis un fou, moi je commence à courir comme Mbappé alors que j'ai le cardio d'un phoque. Moins de chicken spot, plus de fitness park. T'as pas un Pepsi à des pannes? Oui, bien sûr, on se fait un barbecue aussi tant qu'on y est. Allez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il te faut, merguez, chipot, poulet? Yo, paillet, je suis complètement faussé, ta grenadine elle m'a mis yab. Oh putain, retiens-moi, je vais plonger dans la piste là. C'est parti. Oh putain. Ouais, BFM TV, ouais, j'ai un scoop. Y'a Godzilla qui s'apprête à foutre un bordel pas possible. Hein. Gros tsunami en approche, faut évacuer tout le monde. On est foutus, c'est fini pour nous, fin de parcours. Ouais, salut, coucou, man. C'est bien toi pour la bagnole? Ah bah enfin, ça fait 30 minutes que je t'attends, là. Il pleut comme vache qui pisse. Ouais, désolé, j'ai fait un backflip 730 sur ma board. J'ai fini à l'hosto. Pour ça, j'ai un petit peu de retard. Je suis désolé, je suis venu le plus vite possible. Ok, Tony Hawk, y a pas de souci. Donc là, on est sur le Modus le plus connu du Médoc. Hein. Il le voulait pour Fast and Furious 44. Mais j'ai dû refuser parce que j'avais un road trip à Carcassonne. Ouais, il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Je suis à 2 doigts de la syncope. Y a GMK, il m'a proposé 100K pour le Gamos, là, il y a 2 ans. Mais j'ai dit non parce que j'avais
j'avais un date à Buffalo Grill le soir même. Et niveau perf, ça dit quoi? Bah là, t'as 400 chevaux sous crack là-dessous. Hein. Ça fait 0 à 100 en 2 secondes 4. La dernière fois, je voulais aller à la piscine municipale, je me suis retrouvé dans l'espace. J'ai dû faire un constat à l'amiable avec Thomas Pesquet, c'était un bordel pas possible. T'as des bonnes suspensions là-dessus ou pas? Parce que moi, je pense que t'as vu, je suis un mec un peu stock. Je fais 350 au développé couché, donc il me faut un peu de marge. T'es pas stock, t'as du stock. C'est pas pareil. Ouais, j'ai un petit embonpoint, c'est tout. Non, t'as un rond-point. T'as le beat, c'est un no man's land. Y'a personne qui s'y aventure. Écoute-moi bien avec ton modus de gros plouc là. J'ai jamais vu une caisse aussi vilaine. Elle ressemble à un requin dans foot de rue. C'est ta sœur le requin. Et là, tu me fais le skater alors que ton corps il peut rouler tout seul. Hein. Écoute-moi bien, les prochains tuches, ce sera un spin-off sur ta voiture de gros bof. Non.